Dans un pays fort lointain, vivait un meunier qui avait trois fils. Quand le meunier mourut, il légua son moulin à ses deux fils aînés et au troisième, il ne laissa que son chat. Le plus jeune fils était très contrarié. Contrairement à ses frères, il lui était presque impossible de gagner sa vie avec ce qu'il avait reçu. Il regarda le chat et se dit « Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un chat ? On ne peut même pas le manger. » Mais soudain, il se produisit une chose inattendue. Le chat lui répondit. « Vous me jugez fort mal, mon maître. Je pourrais vous être bien plus utile que vous ne l'imaginez. » Le jeune homme était sidéré de voir son chat parler. Il lui demanda en bégayant. « Mais comment est-ce possible ? » « Si vous m'apportez un grand sac, un chapeau et une bonne paire de bottes, maître, je vous montrerai ce que je sais faire. » Revenant un peu de sa surprise, le jeune homme se dit « Si ce chat peut parler, il doit savoir bien des choses. » « Très bien, nous allons voir. » Le jeune homme apporta au chat tout ce qu'il lui avait demandé. Le chat mit son chapeau, enfila ses bottes, alla se contempler avec satisfaction dans le miroir. Puis il mit une carotte et une belle salade dans son sac et s'en alla. Arrivé dans les bois, il ouvrit son sac et le laissa par terre. Peu après, attiré par le parfum des légumes frais, un lapin s'approcha. Et pour manger la salade et la carotte, le lapin entra dans le sac. C'est alors que le chat bondit sur le sac et le noua rapidement, piégeant le lapin à l'intérieur. Mais au lieu d'apporter le lapin à son maître, il se rendit au château du roi. Là, il dit aux gardes qu'il souhaitait voir le roi. Stupéfait de voir un chat parler et porter des bottes et un chapeau, les gardes le conduisirent aussitôt devant le roi. Votre Majesté, je vous apporte un présent de la part du marquis de Caraba. Mon maître, le marquis de Caraba, vient tout juste d'attraper ce joli petit lapin pour vous l'offrir. Le roi était très flatté de recevoir un tel cadeau. Pendant une longue période, le chat continua à venir offrir au roi les animaux qu'il attrapait. Au bout de quelques temps, tous les habitants du royaume parlaient de la richesse et de la générosité du marquis. À mesure que les jours passaient, le roi était de plus en plus curieux. Un jour, il demanda au chat beauté. Votre maître est-il jeune ? Oh oui, il est jeune et fort beau, monseigneur. Et est-il riche ? Oui, très riche, votre majesté, et il serait extrêmement honoré de vous recevoir un jour dans son château. Le roi et la reine étaient enchantés à l'idée de pouvoir enfin faire la connaissance de ce beau seigneur. Si ce que dit le chat beauté est vrai, je pense que nous avons trouvé le mari idéal pour notre fille et un successeur parfait pour notre royaume, dit la reine. Quelques jours plus tard, le chat beauté entendit dire que le roi et la reine étaient sortis en ville avec leur fille. Voilà enfin l'occasion que j'attendais. Il courut voir son maître. Maître, nous devons aller à la rivière immédiatement. Venez avec moi, vite! Le jeune homme ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais il fit ce que le chat lui dit. Mais pourquoi sommes-nous ici? Pour nager, maître. Nager? Mais je ne sais pas nager, moi. Tant mieux. Maintenant, enlevez vos vêtements et plongez immédiatement dans la rivière. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Le jeune homme lui obéit et entra dans l'eau de la rivière. Pendant ce temps, le chat beauté alla cacher ses vêtements derrière un buisson. Quand le carrosse du roi passa près de la rivière, le chat se précipita vers lui comme pris de panique. À l'aide, à l'aide! Mon maître, le marquis de Caraba est en train de se noyer! Le roi envoya aussitôt ses gardes le secourir. Et pendant qu'il sortait le jeune homme de l'eau,
Le chaboté expliqua au roi que des voleurs avaient pris les vêtements de son maître. Le roi ordonna à ses hommes « Garde, apportez les plus beaux vêtements que nous ayons au marquis !» Dans ses nouveaux habits, le jeune homme ressemblait véritablement à un prince. Tandis qu'il se dirigeait vers le carrosse du roi, la reine et la princesse le regardaient. Le jeune homme s'approcha du roi et s'inclina devant lui. « Je ne sais comment vous remercier, votre majesté. » « Mon maître, le marquis de Carabas, serait honoré de vous accueillir dans son château, mon roi. Je vais aller devant pour vous annoncer. » Le chaboté partit en courant. Le jeune homme ne comprenait pas vraiment pourquoi on l'appelait marquis de Carabas. Mais il se dit que le chat devait préparer quelque chose et il ne fit pas de commentaire. La princesse tomba instantanément amoureuse de ce beau seigneur. De son côté, tandis qu'il courait vers un château qui appartenait à un terrible géant, le chaboté ordonnait à tous les fermiers qu'il croisait « Votre roi approche. S'il vous demande à qui sont ces terres, dites que ce sont celles du marquis de Carabas. Ou bien il vous punira. » Sur toutes les terres qu'il parcourait, le chat répétait la même chose à tous ceux qu'il croisait. Et quand le carrosse du roi passait, les gens, par peur des représailles, lui répondaient exactement ce que le chat leur avait dit. Le roi était très surpris que le marquis puisse posséder autant de terres, mais il était ravi de la prendre. Pendant ce temps, le chaboté arriva au château du géant et frappa à la porte. La porte s'ouvrit dans un grand bruit. En voyant un chat qui portait des bottes et un chapeau, le géant fut très étonné. Mais quand il l'entendit parler, il fut encore plus surpris. « Bien le bonjour, votre grandeur !»« Mais qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon château ?» Le chaboté commença à mettre son plan en œuvre. « Eh bien, laissez-moi vous expliquer la chose, monseigneur. Je suis un fidèle serviteur du roi et le roi m'a beaucoup parlé de votre habileté à utiliser la magie. »« Oui, il a raison. »« Par exemple, il paraît que vous êtes capable de vous transformer en énorme lion, est-ce vrai ?»« Bien sûr que je le peux. C'est même très facile pour moi. » Utilisant alors son incroyable magie, le géant se transforma en un énorme lion. Terrorisé, le chaboté sauta aussi haut qu'il le put. Très bien, très bien. C'est très convaincant. Le géant se retransforma pour retrouver sa forme initiale. C'était très impressionnant. En revanche, j'imagine qu'il vous est impossible de vous transformer en une toute petite créature, n'est-ce pas? Ce serait trop compliqué. Trop compliqué? Je peux me transformer en n'importe quel animal. Ah oui? Voyons voir, vous pourriez vous transformer en une toute petite souris? Le géant rit tellement fort que le chat eut du mal à rester sur place. Et le géant utilisa à nouveau sa magie pour se transformer en souris. Quand le géant ne fut plus qu'une petite souris devant lui, le chat bondit sur lui et n'en fit qu'une bouchée. Pendant ce temps, le carrosse du roi approchait du château. Le chat vint rapidement à sa rencontre. Votre Altesse, le château du marquis de Carabas est à votre service. Entrez, sire, je vous en prie. Le roi, la reine, la princesse et le jeune homme contemplèrent le château avec admiration. Tandis qu'ils se dirigeaient vers l'entrée du château, la reine demanda au jeune homme « Dites-moi, cher marquis, êtes-vous marié ?»« Non, votre Altesse. Mais si vous voulez bien m'accorder la main de votre fille, je vous promets de tout faire pour la rendre heureuse. » On organisa une grande fête dans le château du géant pour célébrer les fiançailles de la princesse et du marquis, qui se marièrent peu de temps après.
Vous voyez, mon maître, je vous avais bien dit que je pourrais vous être utile à quelque chose. À partir de ce jour, le chat resta pour toujours le fidèle serviteur du marquis et de la princesse. Et ils eurent tous ensemble une vie longue et heureuse. Y'a des centaines de vaches, ia ia oh. Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs par-là. Y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs, 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 meufs dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh. Y'a des centaines de canards. Ia ia oh. Y'a des coins par-ci, y'a des coins par-là. Y'a des coins, y'a des coins, y'a des coins, 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 coins dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh. Y'a des centaines de chevaux. Ia ia oh. Y'a des i par-ci, y'a des i par-là. Y'a des i, y'a des i, y'a des i dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh. Y'a des centaines de moutons. Ia ia oh. Y'a des bêtes par-ci, y'a des bêtes par-là. Y'a des baies, y'a des baies, y'a des baies, 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 baies dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia ia oh. Y'a des centaines de chiens, ia ia oh. Y'a des oufs par-ci, y'a des oufs par-là. Y'a des oufs, y'a des oufs, y'a des oufs, ouf, ouf, ouf. Ferme à Mathurin, chacun son refrain. Un crocodile s'en allant à la guerre disait.
si fond, fond, fond. Trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter, sauter, marionnette. Les mains aux côtés, marionnette recommencer. La taille courbée, tourner, tourner, marionnette. La taille courbée, marionnette recommencer. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Puis le front penché, tourner, tourner, marionnette. Puis le front penché, marionnette recommencer. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Quatre petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit.